Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog et ça fait déjà la troisième fois que je refilme cette intro parce que je m'en mêle les pinceaux et parce que c'est un sujet qui me stresse un petit peu. Donc du coup je vais refaire, oh my god, je ne sais pas m'exprimer, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog un peu particulier, surtout pour moi parce que c'est un sujet que j'ai pas de ouf amené sur ma chaîne, que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, que je fais du théâtre, que j'aime le cinéma, etc. Enfin vous savez juste que je suis en art du spectacle à la fac, mais à part ça, c'est tout ce que vous savez. Donc si vous ne le savez peut-être pas, depuis oula, très très longtemps maintenant, j'ai envie d'être actrice et du coup je fais du théâtre, voilà. J'ai fait du théâtre quand j'étais petite, j'ai arrêté pendant une très longue période, ensuite j'ai repris quand j'étais en terminale, pendant 2 ans je suis restée au cours Simon. Et ensuite j'ai voulu rentrer en cycle 1 l'année dernière, mais je n'ai pas été prise dans les conservatoires auxquels j'ai auditionné. Du coup j'ai fait du théâtre dans un groupe super bien que j'ai vraiment adoré qui était dans ma fac. Donc cette année c'est exactement la même chose que l'année dernière, j'auditionne pour donc 2 conservatoires d'arrondissement parisien, ce ne sont pas des conservatoires régionaux, ce n'est pas la même chose. Un des 2 conservatoires auxquels j'avais auditionné l'année dernière, je le reprends cette année, enfin je réauditionne cette année et puis après j'en ai pris un autre. Et du coup je me suis dit que ça serait cool de vous emmener avec moi dans ma petite aventure d'audition de théâtre. Aujourd'hui nous sommes donc le 3 septembre et je passe donc ma première audition du même conservatoire auquel j'avais auditionné l'année dernière. Il est 12h30, je passe à 16h15. Donc écoutez, je vais plutôt bien, je suis plutôt confiante, vu que c'est un conservatoire auquel j'ai déjà auditionné, je sais à peu près à quoi m'attendre. Je sais pas du tout si c'est un thème qui vous intéresse ou quoi, mais en tout cas si vous avez des questions sur comment rentrer en cycle 1, etc, qu'est-ce qu'il faut faire, machin, n'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire, même si bon là c'est trop tard au moment où vous verrez cette vidéo forcément. Pour vous expliquer rapidement, quand tu passes ton audition, tu as 2 textes à présenter, le premier étant un texte théâtral, soit un monologue, soit un dialogue. Moi j'ai choisi un monologue de la pièce que j'étais censée représenter cette année, mais avec cause du Covid, évidemment, je n'ai pas pu. C'est donc Dernier remords avant l'oubli de Jean-Luc Lagarce. Trop trop bien, j'ai adoré. Moi je jouais le personnage de Hélène. Et ensuite tu as un parcours libre à faire. Il ne faut pas que ça soit un texte théâtral. Tu peux faire une adaptation d'un roman, un sketch, enfin bref, ce que tu veux. Et donc moi j'ai choisi ce texte. Et c'est très très drôle parce que ce texte je l'ai vu sur Instagram puisqu'il tournait beaucoup. Et je suis sûre que vous l'avez vu aussi. C'était littéralement une IGTV. Hein. C'est un texte qui s'appelle Be a Lady, They Said. Je vous le mettrai en barre d'infos parce qu'il est vraiment trop trop bien. Donc le texte il est en anglais et je vais le représenter en tant que tel. Ça tombe bien, j'adore parler anglais. Et donc je vous retrouve à 16h pour mon audition. Oh my god. Bon, ça y est, je suis arrivée au conservatoire, il y a une fille avant moi et après c'est à mon tour. Donc c'est cool, du coup bah dites-moi merde. Et... Bon, alors j'ai fini de faire mon audition, comme vous pouvez le voir je suis rouge, j'ai très chaud et en plus l'humidité est dégueulasse. Bref, ok, alors j'ai vraiment plein de choses à dire parce que j'ai pas appelé ma mère ou quoi que ce soit, donc oh my god, je suis encore toute émue. Premier texte, donc mon monologue, on m'a arrêté un moment parce que bah, ils avaient pas le temps forcément, parce que je suis passée en retard. Mais donc j'ai pas pu passer mon texte en entier, mais ça va, c'est pas grave parce que elle m'a arrêté tout en douceur et je pense que j'ai quand même fait mes preuves, même si j'ai pas pu tout dire. Donc mon texte en anglais, à un moment j'ai eu un bug, j'ai dû recommencer, mais ça va, ça s'est pas vu, genre j'ai grave gardé mon sang-froid et tout, et pas de problème, je me suis déconcentrée genre vraiment 1 milliseconde et ça y est, ça gâche tout en fait. Il est actuellement 17h30 et je suis enfin rentrée chez moi. Oh, je suis dans un état, il faisait beaucoup plus chaud dehors que ce que je pensais et je transpire. Je sais même pas comment. Franchement, veuillez excuser ma tronche là, mais là, j'ai pas la force. Petite récapitulation. Alors, bon, vous voyez, dans le clip juste avant, j'étais plutôt excitée et ça allait. Et je me disais, non, c'est cool, ça va. Mais en fait, tu vois, dans les transports, t'es là, tu réfléchis et tu mets la scène en boucle, c'est le cas de le dire. Et après, tu te dis, non, en fait, j'ai fait de la merde. En vrai, le premier texte, mon monologue, ça s'est bien passé, mais le problème, c'est que vu qu'ils avaient pas le temps, parce que évidemment, ils sont tout le temps en retard, elle m'a coupé à la moitié en fait, donc j'ai pas pu terminer mon texte. Mais je relativise, elle m'a coupé pas de manière brusque, donc ça allait, j'ai pas été bah, brusquée quoi. Et par contre, mon deuxième texte, donc le texte en anglais, je l'ai un peu plus foiré, mais je sais pas si ça s'est ressenti en fait. Je vous explique. Déjà, j'ai loupé des phrases, c'est sûr, mais. Ça s'est pas ressenti parce que bon, elles connaissent pas le texte et moi, bah, j'ai été plutôt fluide. Par contre, à un moment,
j'ai eu une mini déconcentration et genre j'ai eu un mini trou. Ça m'énerve. J'ai eu un mini trou et du coup j'ai dû recommencer ma phrase. Mais franchement j'ai de ouf gardé mon sang-froid et après j'ai continué comme si de rien n'était. J'ai pas été stressée autant que ça. Franchement ça allait. Vraiment ça allait bien. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est donc lundi. Je passe ma deuxième audition vers 14h10 je crois. Alors c'est un peu spécial aujourd'hui. Comment vous dire? Je sais pas si ça peut se voir à ma tête, mais je me suis couchée extrêmement tard. Hier, c'était le mariage de mon cousin. Je me suis donc couchée à 5h du mat. Voilà. Donc autant vous dire que je suis un peu éclatée. Et surtout, je n'ai pas révisé depuis ma dernière audition. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais très très vite revoir un peu mes textes vite fait. Manger un petit truc, me casser, faire ma photo d'identité et partir. Ça va, c'est pas très loin de chez moi, mais quand même. Donc là, je vais aller faire ma photo d'identité. Ensuite, je vais aller à mon audition. Je vous avoue que je suis un peu stressée parce que là, j'ai répété vite fait et genre, j'arrive pas à me concentrer. En fait, je suis fatiguée. Genre, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup fatiguée hier. Et du coup, j'ai un peu de mal à me concentrer et genre, il y a des phrases que j'oublie alors que je connais par cœur mes textes, mais enfin, je sais pas. Donc, je vais essayer de me calmer un peu, d'être un peu plus sereine. Ça va bien se passer. Et au pire, même si j'oublie des phrases, c'est pas grave, je saurais me rattraper. Oh my god, je tremble, je viens de sortir du conservatoire, enfin je suis dans les escaliers en fait, j'ai les larmes aux yeux tellement que genre, je suis émue. Je crois que je pleure de joie en fait, parce que je suis super contente, je crois qu'ils ont grave kiffé. Oh là là, attends, faut que je me calme, mon cœur il va hyper vite. Je suis trop contente, enfin je crois que ça va, mais je sais pas, il faudrait jamais dire que genre vaut mieux dans le doute et au moins comme ça tu seras jamais déçue. Ok, je vais aller respirer, là je vais prendre de l'eau, je vais me calmer, Ok. Alors les amis, donc je suis rentrée depuis un petit moment déjà, je me suis posée, je me suis fait un petit thé. Donc du coup pour récapituler, je suis super contente parce que ça s'est bien passé. J'ai eu un bon feeling et puis je pense que vous avez vu mon excitation en sortant de l'audition. Ils ont été contents, enfin ça avait l'air d'être bien pour eux. Donc c'est super cool, je suis super contente. En plus je me suis stressée pour rien du tout parce que je suis partie de chez moi pas du tout en avance. Donc en fait je suis arrivée certes pile à l'heure mais j'ai dû énormément me dépêcher. Parce que juste en partant, je devais faire mes photos d'identité et j'ai grave couru dans le RER et tout. J'ai couru dans la rue, machin, je trouvais pas le conservatoire parce qu'il est assez caché. Donc je suis arrivée genre en tremblant et tout, tellement que j'étais genre au bout de ma vie. Et finalement, il y avait beaucoup beaucoup de retard, mais tant mieux pour moi. Parce que du coup, on a pu se poser tous ensemble et tout avec les autres élèves et on s'est posé donc dans une salle de chauffe. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai passé mon audition en théâtre pour les non-débutants et je voulais savoir comment se passait la diffusion des résultats, s'il vous plaît. Faut les communiquer, si vous voulez. Ah, ok, super. C'est à quel nom ? Salomé. Ok, c'est pas. Merci. Attendez, je m'attendais pas du tout à l'avoir téléphone. Non, désolé, je vois pas votre nom dans les résultats. D'accord, bon bah tant pis. Désolé, j'en prie. Merci, attendez. Au revoir. Au revoir. Putain, j'ai pas été prise. Décidément, ils me veulent pas, hein, ceux-là. Putain, l'année dernière non plus. Bon bah tant pis. C'est pas grave, j'ai encore l'autre. L'autre que j'ai mieux senti et que du coup je vais aller voir. Bon bah tant pis, j'ai pas été prise pour le premier conservatoire que j'ai fait, donc celui que je sentais le moins. Je suis désolée si vous entendez les travaux. Du coup là cet après-midi, je vais aller à l'autre conservatoire. Cette fois-ci je vais m'y rendre sur place. Bon, je suis arrivée à l'endroit où je dois avoir les résultats pour mes auditions et à tous les coups vous savez très bien où est-ce que je suis parce que c'est grave cramé. Donc, on verra bien.
j'ai compris. Bon, je suis pas prise. Qui, c'est l'un de nos trois qui est prise? C'est moi. Bravo, merci. Félicitations. Bon, bah tant pis, bah ça sera pas pour cette année. A few moments later. Bon bah voilà, je suis là actuellement à Châtelet, en train de pleurer. Ah non, franchement, je vais pas faire la meuf, hein. Je vais pas faire la meuf en mode hein. Bah tant pis, c'est pas grave, une prochaine fois, lol. Non, genre, j'ai grave le seum, je vais clairement vous le dire. En plus, celui-là, je le sentais vraiment bien. Genre, je sais pas, les profs, ils m'avaient l'air d'être vraiment contents de ce que j'avais dit. Du coup, j'ai bien le seum. J'ai bien le seum, surtout que l'année dernière, je les avais déjà passés et je les avais ratés. Donc là, je les re-rate encore une fois. Donc, bon, ça m'empêchera pas de faire du théâtre, hein. Je ferai juste à un autre endroit, mais du coup, bah. Et ben j'ai pas de conservatoire, ça me fait bien chier. Bon, alors là il est 19h22, je viens de rentrer chez moi, j'ai passé du coup l'après-midi avec mes copines. Bon bah écoutez, ce vlog fut un fiasco. Là ça va mieux, mais sur le moment franchement c'est vraiment pas drôle du tout, genre c'est trop une sensation horrible. Donc bah voilà, l'année dernière c'était pas mon année et cette année ça sera pas la mienne non plus. Donc j'avoue que j'ai le seum. Franchement j'ai vraiment le seum parce que je le sentais vraiment bien et c'est trop horrible. Après c'est pas parce que j'ai pas eu mes conservatoires que ça va m'empêcher de faire du théâtre. Hein. Je pense que je retournais dans le même groupe où j'étais l'année dernière. J'espère que cette vidéo sera aussi un message d'espoir. C'est pas parce que vous avez raté une fois, une deuxième fois, une troisième fois que vous êtes voué à l'échec toute votre vie. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura quand même plu. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce sujet-là, que je vous emmène un peu plus sur ce côté-là de ma vie, n'hésitez pas à me le dire. Et bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!